Dans le 6 à 7, Benjamin Castaldi a demandé à ses chroniqueurs avec quelle célébrité ils pourraient tromper leur partenaire. La réponse la plus originale a été celle de Delphine Vespizer, qui a révélé son étonnant fantasme. Delphine Vespizer n'hésite jamais à porter haut et fort ses opinions, quitte à se faire des ennemis. En avril dernier, la jeune femme a été au centre d'une polémique après ses propos tenus sur Marine Le Pen sur le plateau de Touche pas à mon poste, lors de l'entre-deux-tours. Elle garde de cette période un goût amer. Ça a été dur. Je pense que ça a duré pas loin de 3 semaines. Je me suis dit, comme chaque buzz, un autre buzz va surgir et effacer. Eh bien, non pas du tout, confiait-elle, invitée du podcast Femmes de télé par Télé Loisirs. Côté vie privée, l'ex-reine de beauté a annoncé il y a quelques semaines sa rupture avec Roger, son compagnon depuis 7 ans. Parce que c'était lui et parce que c'était elle. Il y a 7 ans, nous nous sommes rencontrés dans la nuit colorée. Il m'a montré la lumière, celle qui remplit son cœur. Merci, merci pour tout. Je te souhaite du plus profond de mon cœur le meilleur pour la suite du chemin où je ne serai jamais loin. Ciao amore, avait écrit Delphine Vespizer sur Instagram. Delphine Vespizer aurait retrouvé l'amour mais le 22 janvier, pour Nutri Radio, Delphine Vespizer a fait quelques confidences sur un nouvel homme qui partagerait sa vie depuis peu. Je n'étais pas câlin avant et je suis devenu câlin. Ce qui est incroyable, si est que mes deux premiers chéris me disaient toujours « Tu n'es pas assez tactile, tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous. » Aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Il y a aussi des choses dans la vie qui font que l'on évolue, avait expliqué celle qui a reconnu même que son nouveau chéri se plaignait qu'elle soit trop tactile avec lui. Un fantasme surprenant dévoilé par l'ex-Miss français dans le 6 à 7 ce 27 janvier, juste avant TPMP, avec Benjamin Castaldi, l'animateur et son équipe dévoilaient avec quelle célébrité ils pourraient tromper leur partenaire. Et pour Miss France 2012, si y est-il la photo du Dalai Lama qui est apparue. Elle s'est donc expliquée, parce que j'adorerais essayer l'amour tantrique, commence-t-elle. Avant que l'animateur ne donne son sens, vous êtes en face de quelqu'un et vous faites l'amour sans vous toucher. Delphine Vespizer a alors poursuivi, vous vous mettez en tailleur dans une chambre, l'un en face de l'autre, vous vous regardez dans les yeux, vous pouvez juste vous toucher comme ça, si est-il pas forcément sexuel, et après vous arrivez à avoir un orgasme encore plus puissant parce que vous êtes en connexion ultime avec la personne, décrit-elle à Benjamin Castaldi, amusé. À lire aussi on reçoit une grosse enveloppe. Delphine Vespizer dévoile le salaire de Miss France durant un an et provoque la surprise des chroniqueurs le 6 à 7, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.